Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Enfin, j'ai un petit peu de temps. Enfin, j'ai un petit peu de temps pour continuer ce final. C'est pas du tout que j'avais pas envie, c'est que j'avais vraiment pas de temps. Et en même temps, c'est les examens. Donc, vous savez ce que c'est. Les examens, c'est pas pour moi. C'est plus pour mes petits chéris. Donc, on a un petit peu. On a fait un petit peu étudier avec mon épouse donc, tour à tour. Donc voilà, ces derniers temps, et le week-end, ça a été un petit peu un week-end consacré aux études. Donc forcément, j'ai pris du temps pour moi pour pouvoir le faire étudier dans de bonnes conditions. Et donc, les faire étudier dans de bonnes conditions. Enfin, surtout le grand, hein, notre. Donc j'ai pris sur mon temps de jeu, évidemment, c'est logique. Il y a des priorités. J'avais quand même envie, hein, évidemment, de continuer ce Final 16. Alors, je sais plus du tout où on en est.
Je pense... Ah oui, c'est juste. On devait retourner au Fort Phoenix. C'est juste. On devait retourner au Fort Phoenix et on était à dans le village dont j'ai complètement oublié le nom. Alors que oui, qu'est-ce qu'il y a à mon cœur? Dis-moi. 38 ou 98? C'est 98. D'accord? De quoi? Merci. Parce que je vais donner quelques exercices. Donc effectivement, on doit se rendre au Fort Phoenix. Je vois qu'il y a un magasin. On est dans... À l'Estangre, c'est ça? À l'Estangre, un truc comme ça? Je sais plus très bien comment ça s'appelle. Je pense que c'est... C'est l'Estangre ou un truc comme ça, je sais plus comment... L'Estange, c'est ça. C'est ça, l'Estange. Voilà. Bienvenue, l'ami. On était venu voir... Ah ouais, non, on n'était pas venu voir, hein. Ici, je pense pas. Je pense qu'on est mieux, hein. Alors que je me souvienne comment jouer, parce que j'ai complètement... j'ai complètement zappé tout ça. À bientôt. J'ai complètement oublié. Mais ça va le faire. De mon côté, j'ai fini sur Twitch. J'ai fini Final Fantasy Adventure 1, qui était un jeu sur Game Boy. Mince. Donc ça, j'ai fini de mon côté en off. Jouer un petit peu à ça en mode... Les terres mortes à perte de vue. Et elles sont si près du village. Plus aucune plante ne peut pousser. C'est juste à côté. Le sol a perdu presque tout son éther. Ouais. La terre est comme ça, on ne peut plus rien cultiver. Wow. Plus de plantes, plus d'animaux, plus de vie. C'est quoi qui vient de tomber? Le seul bon côté, c'est qu'il n'y a plus de monstres non plus. T'es sûr de ça? Je suis pas si sûr, moi. Est-ce qu'on a une map? Oui, on a une map. Alors, on va aller jeter un œil. Hein. Il y a l'air d'avoir un truc là-bas. Ah, il y a une porte. Qu'est-ce que c'est? Encore une ruine céleste. Ok, donc il y aura un cristal visiblement à incruster ou à activer là-bas. D'accord. On peut pas faire appel à la magie. Appel à la magie ici. Non, d'accord. Il n'y a pas assez d'éther. Sans éther, pas de magie ni d'être vivant. Ok, d'accord. C'est un comme ça. Toute une zone meurt avec lui. C'est quoi qui tombe là à chaque fois? C'est dégueulasse. Ok, bon. Bon, effectivement, alors ici, effectivement, s'il n'y a plus d'éther... Cet endroit devait être verdoyant autrefois, avant le passage du fléau. Plus de monstres, etc. Sûrement. D'accord. Ça devait être beau. Ok, mais il y a quand même des... Il y a quand même des potions et tout, donc... Ici, visiblement, on récupère un petit peu d'éther. Que je me souvienne des manips, bordel. C'était complètement zappé. Nous y voilà. Le Fort Phoenix. Là où tout a commencé. Et là où tout finira. J'espère qu'on m'entend bien, hein. Parenthèse. Courage, Clive. Il est temps d'affronter ton passé. Bah, toi aussi, d'un autre côté. Allez. C'est un petit peu... D'ailleurs, je m'excuse pour ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube.
Enfin, qui ont regardé les précédentes vidéos sur YouTube plutôt. J'ai eu, évidemment, vous l'aurez compris, j'ai eu une grosse déconnexion internet lors de mon précédent live. Donc j'ai dû faire la vidéo en deux parties. J'ai toujours pas compris ce qui s'était passé. J'ai simplement ma box qui s'est déco, en fait, tout simplement. Et donc voilà, le live s'est coupé d'un coup, assez net. Mais le jeu a malheureusement continué, donc il y a des choses qu'on va rater un petit peu. Mais bon, voilà, c'est pas très grave, je m'en suis rendu compte assez vite. Hein. J'ai toujours le retour de mon live, et je vois tout de suite s'il y a un problème. Donc, le seul retour que j'ai pas, c'est le retour audio. Mais je pense qu'il est plus ou moins bon, hein, puisque j'ai fait plusieurs tests. Je pense qu'il doit pas être, trop dégueu. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Vraiment que le temps s'est arrêté. Je crois que plus personne n'avait de raison de revenir ici. Ouais. Tout est resté tel quel. Un peu le même mood que dans... que dans Plectel, un petit peu. Quand ils reviennent au château... tout délabré. Allons jeter un œil. Ok, donc nous revoilà. Bienvenue à la maison. La vérité refait surface. Il me faudra un petit combat histoire de me remettre un petit peu les contrôles en main parce que j'ai envie de tomber sur un boss. C'est moi qui ai fait ça. C'est terrifiant. Ah ouais, quand même. Effectivement, c'est c'est quand même bien balèze, hein. Ouais, franchement, c'est quand même bien balèze, hein. Bon, j'ai pas regardé les autres lives, mais je présume que 95% des gens sont cas sur plus loin que moi, voire l'ont fini. Puisque j'ai pas eu le temps d'avancer. Oh. C'est lui. Comme par hasard. Il sait ce qui s'est passé, j'en suis sûr. Il faut qu'on le suive. Comme par hasard. Après ça, le raccourci scénaristique, quand même... Il est quand même un peu facile, hein. Mais enfin, bon, de l'autre côté, c'est vrai qu'on voit qu'il se dirige... Il se dirige vers là-bas, mais enfin, quelle chance de tomber dessus juste quand il se dirige dans la... dans une crypte... Où est-il? Je ne le vois nulle part. Bon sang! Il a encore filé. Pas de belle. C'est vraiment un fort ici? On dirait une sorte de temple. Ah, c'est vrai. C'est la première fois que tu viens. Ce bâtiment abrite une porte. Ah. Une porte? Oui, un portail de l'époque des Célestes. Seul l'émissaire de Phénix peut l'ouvrir. D'où le nom de Fort Phénix. Bravo, Jill. Alors une petite gommette. Alors c'est ici que Joshua devait... Oui. Il devait franchir cette porte et entrer dans le Sacrarium pour recevoir l'augure martial. Ah oui, c'est ce qu'il parlait au début, oui. Et tu devais l'accompagner? Non. L'intérieur est un lieu sacré. Seul l'émissaire peut entrer. Final 10, quand tu nous regardes... Le rôle des gardiens était de servir d'escorte. Mais c'est vraiment... de prier pour que le rituel c'est se trouve bien. C'est vraiment Final 10. C'est vraiment exactement la même chose. Mais où est-il parti? Peut-être de l'autre côté? Ça m'étonnerait. Seul Phénix pouvait l'ouvrir.
Et donc toi, techniquement, il sait, avec lui, techniquement, c'est l'ouvrir, non? Il sait faire appel à Phoenix aussi, non? Bah oui, c'est logique. Mais oui. C'est tellement obvious. Oh, c'est stylé quand même, je suis d'accord, j'aime beaucoup. Mais du coup, c'est pas très discret comme entrée, hein? Ou bien son gardien. Tu veux vraiment entrer? Il le faut. Et du coup, comment ça se fait que Jill a pu entrer avec? Oula, changement d'ambiance. Encore une. C'est le même mécanisme que tout à l'heure. Purée, tu vas voir que je vais me taper un boss, hein. Cet endroit que... est vraiment une ruine céleste. Alors que je me souviens plus des contrôles. C'est différent des autres ruines. Tout est intact, parfaitement préservé. C'est joli, hein. Servir cet endroit. Je sens que je vais me taper un boss. D'accord. C'était tellement évident. Il en vient d'autres. Finissons-en. Ok. Elle esquive, ça c'est le truc, ouais mais ça, ok. D'accord. Ça va revenir. Ben, ça va. Niveau 22, ouais. C'est quoi ce truc? Général Grievous? Cet endroit fonctionne comme si de rien n'était. D'accord. Pour une porte. C'est très joli en tout cas, hein. En train de scanner la zone ou comment ça se passe? Ah non. Expédions ça vite. Complètement. Complètement zappé le premier combo. Okay.
Nickel. Un coffre. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Essayons d'avancer, quoi qu'il en soit. Bah oui, essayons d'avancer, hein. Il est un peu plus chaud, lui, hein. Ok, bon, ça c'est pour la technique de... Une potion qui fait du bien. On va quand même faire une petite sauvegarde, hein, parce que... Ça me paraît un petit peu plus rock'n'roll ici. Et comme je me souviens plus des contrôles parfaitement. Ok, il y a trois saloperies là-bas, visiblement. Qu'est-ce que c'est? Oh, des bobos! Je ne sais pas, mais ils ont l'air d'en avoir assez. Adieu! Ça paraît évident qu'il ne faille pas utiliser le feu contre eux. Oh, il faut bouger de là, il faut bouger de là. Sans être sûr. J'ai pas de map évidemment.
Ça va être facile. Non, c'est pas par là. Je pense que ça doit être par là, du coup. Ok. Joshua devait passer par ici, lors du rite ? Du moins pas à ma connaissance. J'imagine que c'est l'accueil réservé aux intrus. Ah, peut-être du coup. Peut-être, ouais. Donc ici, on va remonter, je présume. Le sol bouge encore. Je me demande où ça va nous mener. Vers un nouveau piège pour se débarrasser des indésirables, à moins qu'on ait de la chance. Je commence à me demander si l'homme est vraiment ici. On n'en saura rien tant qu'on ne sera pas arrivé au bout. C'est pas faux. Continuons. Une fois, elle débug des conneries. Ok. De nouveau, un copain. Oh, 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 y a pas de copain ici. Waouh. Ok. Ok. Oh, il se... Au. Quoi? Qu'est-ce que tu fais, quoi? Regarde. Tu vas aller faire dodo, surtout. Pourquoi? Je dois l'aider, Bon, soit. Ah, merde. Ah, j'ai pris le deuxième. Ah, j'ai pris le bouton. Ah, je prends pas de dégâts, je fais de la merde. La merde. Ok. Il y en a un autre? Ah non, c'est des petits, ça là. Allez, sérieux quoi. Dommage. Waouh. Dommage. Quel bordel, mais c'est pas possible. Allez, allez. Il y a des fois où les esquives passent toutes seules. Il y a d'autres fois où il n'y a rien qui passe. Bien tenté. C'est pas possible. Voilà. On va descendre. Quoi? Ouais, le boss final. Ouais. Ah, mais franchement, je me suis mal battu là. Honnêtement. De quoi?
utilisé des potions. Ouais, j'ai utilisé des potions pour y aller. Franchement, tu fais quoi là? Je sens bien le boss arriver. Je pense que je suis pas prêt du tout. Je pense que je suis absolument pas prêt. Non, non, t'inquiète pas. Ça se passe pas trop mal. Attention, hein. C'est pas fini. Ils veulent pas nous lâcher. Si ça se passe pas trop mal. Ouais, je vais tuer plus tôt. Ok. On va mon chien me soigner. Voilà. Mais si c'est le petit choix qui fait, toujours ça de pris. Qui pète un plomb, il se fâche, il grogne. J'ai beaucoup de petits effets, j'ai beaucoup la musique comme ça, orchestrale, mais avec un petit effet électronique, c'est assez cool. Bon, j'ai super passion de récupérer, c'est toujours ça de prix. Ah. Et merde. Je n'aime pas ça. Oh. Un nouveau copain avec qui jouer. Je crois que tu avais raison. Ok. Dommage. Oh, purée, quoi. D'accord. Au travail, d'ailleurs. Ok. Soigne-moi. Bon, il est assez prévisible. C'est bien, d'accord. Pour le moment. Pour le moment, il est assez prévisible. Let's go.
a quand même bien fait mal. Quoi, t'as cru juste de quoi Qu'est-ce que je dois faire? On ne va pas le laisser faire. Allons-y. Allez, je vais te suivre. Viens à moi, Karunda. Voilà. Ok. Il est stoppé. Il faut en profiter. Ouch. Je pensais que ça passait monsieur l'arbitre là. Ah ben là aussi je pensais que ça passait. Mais ça passait pas vraiment. Allez. Yes. Yes aïe. Bien vu. Je vais à moi. Des matériaux d'artisanat. Nickel. Laissez-moi. Enfin. C'était quoi ce colosse? Pourquoi toutes ces créatures nous attaquent? Parce que tu devrais être à... Tu es à un endroit que tu devrais pas être, peut-être? Bien, on monte avec notre nouveau copain, c'est cool. Peut-être qu'il nous... Plusieurs possibilités ici, visiblement. Ça, visiblement, on peut pas aller là-bas. On peut aller par là. Et on peut aller par là. Et on peut aller en face, je pense. Pardon. On peut aller... Ah non, on peut pas aller en face, en fait. Ah oui, c'est deux escaliers, tout simplement. Ok. D'accord, c'est simplement deux escaliers. Ils rejoignent la même place. Je regarde en face pour voir s'il n'y a pas... un truc à choper, mais non, j'ai pas l'impression, je pense que c'est bêtement les deux escaliers qui vont au même endroit, en fait. L'orchestration est très cool, par contre. Franchement, il faut reconnaître que il y a des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des finales, un petit peu... Mais en même temps, c'est très lointain des racines et en même temps très proche. Par exemple, ça me fait penser à la lune de Final 4, ça. Quand on se balade sur la lune. Un spoiler, mais bon. Parce que voilà. Ceux qui voulaient faire Final 4, ils l'ont fait depuis longtemps, donc... Oh shit! C'est parti. Niche! Sérieux? Merde. Dommage. Ok.
pense pas que ce soit un boss, je pense que c'est plutôt un monstre un peu à tout seigneur. Ouais, mais de toute façon, les boss, normalement, il y a leur. Il y a leur vie qui s'affiche dans le coin. Bien tenté. Ah! Wow, 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 t'énerves pas, hein? Semblait différent de ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant. D'accord, donc on a deux chemins possibles qui n'ont pas l'air d'aller au même endroit. On a deux chemins possibles qui n'ont pas l'air d'aller au même endroit, c'est assez bizarre. Bah écoute, on va prendre celui-là, hein. Ah mais purée, mais c'est pas possible. Attention, il y en a encore. Ok. Allez, voilà. Nickel, donc il y a sûrement le cristal à reprendre ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'est ça, on doit activer les deux pièces. Un autre de leurs mécanismes. À mon avis, on doit activer les deux pièces, tout simplement. Tac, 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 tac. Ouais, c'est ça. On va devoir activer les deux endroits. Donc on va aller aux deux. Ah, les PNJ qui comprennent rien, c'est un truc de jeu vidéo, madame. Il faut activer à gauche, à droite pour pouvoir aller à la prochaine salle. C'est logique. C'est vrai que pour le coup, ça, les mécaniques sont quand même datées, hein, mais bon, voilà. C'est comme je dis, c'est franchement. C'est on décide de le kiffer ou pas. Après, oui, c'est vrai que, indéniablement, il y a des mécaniques qui vont dater, oui. Mais c'est des mécaniques de RPG très classiques, quoi. C'est-à-dire activer à gauche, à droite pour pouvoir. Comme l'exemple là maintenant, quoi. Et là, c'est certainement une salle de boss ou un truc comme ça. Bon. Donc. On peut traverser maintenant. Oui, c'est vrai que c'est extrêmement daté, oui. On dirait, oui. C'est de ce que. Il y a beaucoup qui se plaignaient de ce truc-là, mais après, pff, voilà, c'est encore une fois.
c'est un peu dans tous les Final Fantasy, dans tous les RPG classiques, on a ce genre de truc là quoi. Est-ce que je prends une potion? Oui. Je me sens bien mieux. Est-ce que je prends une deuxième potion? Non. On verra bien. Si on en a besoin. Justement. Quand on parle du loup, à mon avis, c'est une potion. Je crois qu'on arrive à une impasse. Non, c'est une super potion. Cette fresque, on la connaît. Elle est méga stylée, la fresque. Toute brûlée comme ça, c'est très classe. Je me demande de quand date tout ça. Ça a l'air vraiment ancien. Je ne sais pas. Je n'ai jamais rien vu de tel avant. À ton avis, c'est une sorte de dieu au milieu? Cette salle lui est dédiée? Bizarre, on dirait un peu Ifrit, mais avec des ailes, en fait. Oh, shit. C'est toi, l'autre émissaire de feu. Qui es-tu? Quoi? Bon, c'est un combat de boss, hein? C'est le passé. Ah, c'est là qu'il va pouvoir retourner dans le passé, en fait. Putain, c'est Phoenix. Ah oui, c'est le... Ah, d'accord, c'est la fight Phoenix Ifrit, en fait. Joshua! Ok, il arrive, donc il sait que c'est le tir. Arrête! Son gardien. Il m'a donné sa bénédiction. Il m'a demandé de le protéger. J'aurais dû le défendre ce jour-là. C'était mon devoir. C'est le phénix, normalement, donc... C'est moi qui l'ai tué. Et j'ai cherché ailleurs un coupable. Comme pour me disculper de cette faute. J'avais peut-être peur qu'en l'admettant, j'oublierais jusqu'à son souvenir. Mais en fait, c'est moi-même que je fuyais. Et maintenant,
Es-tu prêt à accepter la vérité? Oui. Je sais que ce ne sera pas simple, mais il le faut. Je le fais pour Joshua. Je lui dois au moins ça. C'est classe. Et mieux. Tirons-nous la main. Bon, tu vas pas te brûler, mais bon, voilà. Ah, il va récupérer Phoenix, peut-être. Mais je dois affronter non, cette réalité. Alors c'est très classe, mais c'est complètement con, je crois. Très très classe, mais absolument pas réaliste. Voilà, j'ai vraiment du
ça avance. Salut Nialéa. Hey, bah, j'avais pas vu. Non, mais non, ça n'avance pas justement. Parce que j'ai plus joué depuis 3-4 jours. Je sais pas s'il y a que moi, mais je t'entends assez mal derrière le jeu. D'accord. Le jeu est trop fort, quoi. D'accord, on va un petit peu baisser ça. C'est vrai que c'est des moments assez rock'n'roll, donc je présume que... Voilà. Oh. Est-ce que je sais pas si tu m'entends mieux? Tu nies la vérité. Avec la musique et les combats, bah oui, c'est ça. Et faire semblant de ne rien voir. Courage, Clive. Affronte ta peur. Ok. Ski. Et toi, comment t'as avancé alors, Niela? Je présume beaucoup plus que moi. Ok, nickel. Attends 2 secondes, on va garder le chat juste après. Alors je sais pas du tout ce que tu en penses du coup de cette fight là en particulier. Qui frite. C'est très très classe hein. Mais comme je disais, ça me perd un peu. La surenchère me perd un peu en fait. C'est très classe, visuellement c'est très très beau. Je vois. Ah merde. Donner une bonne leçon. J'ai. Merde, trop tard. Ok. Esquive. Allez, 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 allez. Dommage. Waouh. Ok. On l'a renversé. À moi les flammes. Shit. Merde. Waouh, c'est... Désolé. What, ok. Ok, je me suis fait fumer le cul. Donc tu disais, tu as fait que ça de la journée. Ok, d'accord. Je trouve l'histoire du jeu un peu compliquée à suivre, d'accord. J'aime beaucoup, mais c'est assez complexe. J'avais déjà eu cette impression avec le 12 à l'époque. Tu parles de l'histoire ou tu parles de la surenchère? Parce que, en fait, moi, l'histoire me... L'histoire a l'air très intéressante. Pour une fois que... Enfin, quand je dis pour une fois... Généralement, les histoires sont bonnes, mais ici, vraiment, il y a énormément de choses compliquées, etc., etc. Donc, c'est plutôt sympa de donner beaucoup de lore au jeu. Et je trouve que c'est plutôt agréable, l'effort est agréable. Moi, ce avec quoi j'ai du mal, voilà, c'est juste ce combat-là, en fait. C'est la première fois où je ressens vraiment un peu ça. C'est que...
on est occupé, donc depuis le tout début du jeu, on est occupé de dire, j'ai été occupé de me dire que les Avoks sont complètement fumés, qu'elles peuvent détruire la moitié d'une terre quasi, ou presque. Hein. Et là, je me tapis frites au KLM, tranquille. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Parce que voilà. Tu veux me donner une bonne leçon? Oui, donne-moi une bonne leçon. Ah merde! Donc c'est un peu. C'est un peu dommage de. Mais après, c'est très classe, ça c'est vrai que c'est franchement très classe, très réussi visuellement et tout, très réussi. Hein. Mais voilà, la fight avec Ifrit, je trouve que ils auraient pu la tourner autrement, je trouve qu'ils auraient été pas mal. Ah merde. Ok, nickel. J'appelle le vent. Bon, ok. On va essayer d'éviter un maximum cette attaque-là. Ah. Ok. Ah mince. Mais voilà, franchement, mais tactiquement en tout cas, au niveau gameplay, honnêtement, ça j'avais assez peur. Mais il faut reconnaître qu'au niveau gameplay, c'est toujours aussi jouissif. Ça, c'est vrai que... Parce que quand je perds, en fait, c'est des erreurs que j'ai vraiment faites moi-même, en fait. Donc, c'est plutôt... plutôt sympa. Ah, merde. Allez. Bim! J'arrive, je lis le gameplay, le chat juste après. Hein. Je ne veux rien rater de... Tu t'inquiètes pour moi. Ça ira. Je n'ai plus l'intention de m'enfuir. Toi et moi. Alors. Il est temps d'accepter qui nous sommes. D'accepter le passé. What? Un nouveau élément de gameplay? Oh, ça j'aime bien. C'est vrai qu'on sent que... Il y a vraiment un côté. Il y a vraiment un côté Devil May Cry, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Honnêtement, on sent vraiment le côté Devil May Cry, ça c'est vrai. Allez, ramasse. Oula. C'est le bordel, quoi. Ah, merde. Dommage. Ok.
c'est vrai que c'est kiffant, hein. C'est quand même bien kiffant. Faut reconnaître que... Faut reconnaître que c'est bien kiffant. Bon, super guerrier 2. Ah là, ça j'ai du mal par contre. J'ai du mal parce que c'est pas dans la logique de l'histoire. De pouvoir taper Ifrit comme ça. Je vois enfin la vérité. En mode tranquille. Hein. Ce n'est pas toi, Ifrit. C'est moi. Allez, fight de Ifrit. Ok, là c'est ok. Là d'accord, là c'est classe. C'est même très classe. Oula 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 oula. Allez. Ah là c'est très classe. Je lis tes commentaires juste après. Hein. Je kiffe un peu ma life. Et puis je lis tes commentaires juste après. En train de lui mettre un perfect. Après c'est un perfect en scénario, hein, mais bon. Perfect. You win. Alors bon. Deux secondes. Hein. Est-ce que le son est toujours aussi fort par rapport à ma voix, ou est-ce que ma voix est audible? Sinon, je baisse vraiment le son, hein, il faut le dire. Alors, je te redis. Blablabla. J'ai déjà l'impression de ça avec le 12. C'est un combat contre lui-même. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va apprendre beaucoup sur notre petit live. Bah oui, évidemment. De toute façon, on ne va pas chercher à se le cacher. On va clairement affronter chaque primordial. Bien sûr, oui, bien sûr. Le gameplay est génial. Je sais pas, je suis morte qu'une fois et à cause d'une attaque que j'ai pas eu le temps d'éviter qui m'a one shot. Eh ben écoute, tu joues mieux que moi. Parce que moi je suis mort. C'est déjà la deuxième ou troisième fois que je meurs en fait. Je t'entends beaucoup mieux, d'accord. Enfin, je t'entends, ce qui n'était pas le cas avant. D'accord, ok. Ben oui, mais il n'y a plus de musique d'un autre côté. Donc on va peut-être éventuellement baisser un petit peu la musique. Encore, on va mettre à moins 10 décibels. Je pense que ce sera pas mal. Voilà. Alors, bon. Ok. Donc, on a une sorte de... C'est de la transcendance, c'est ça, je pense, hein, que ça s'appelle. Donc en fait, le but c'est qu'il faut qu'il s'accepte. C'est ça le truc en fait. Je présume que t'étais beaucoup plus loin que moi. Hein. Bah t'étais déjà beaucoup plus loin que moi lors de mes premiers streams. Alors ici c'est qu'il y a soit pire, je présume. Hein. Yay! Live, tout va bien. Ouais, c'était un. Jill. Fais toujours penser à Resident Evil. Tout va bien. En fait, je pense que le comment dire le. Je dois cesser de fuir. Le gars avec la capuche, là, il l'emmène vers un chemin de vérité, en fait. Voilà. Allons voir dehors. Il a enfin un but, maintenant. Je ne sais pas quelle est cette gravure, quand même. Elle est très classe.
très très classe. Clive, tu es sûr que ça va? Tu as l'air bizarre depuis tout à l'heure. Je ne savais pas comment te parler de tout ça. En fait, j'avais beau savoir, je suis fan de Jules. Je l'accepte pas, mais... Et je voulais fuir cette réalité. Wesh alors. C'est en venant ici que j'ai enfin pu l'accepter. Ouais, c'est en venant à Marseille que j'ai enfin pu l'accepter que j'étais fan de Jules. Désolé, je ruine tout. De feu qui a brûlé cette forteresse et tué mon frère ce jour-là. C'était bel et bien moi. Oh, Clive. J'ai provoqué tant de morts cette nuit-là, et bouleversé tant de vies, y compris la tienne. Tu me déçois, même. Je dois expier les crimes que j'ai commis. C'était le but, je en fait. Je veux avoir toutes les réponses. C'était le but de... Pourquoi y a-t-il un second primordial de feu? Et pourquoi s'est-il incarné en moi? C'était évidemment le but. Et l'homme à la capuche qui me suit, qui est-il vraiment? Je veux savoir. Ce n'est sûrement pas un hasard si j'ai survécu après tout ça. Nous trouverons la vérité. Je t'aiderai. Moi aussi, je veux savoir. Et il ne sera jamais trop tard pour te racheter. Ah, d'un autre côté, j'ai buté des centaines de gens, j'ai buté mon petit frère. Je me rends compte que tu n'as pas changé. Après, voilà. Tu as toujours été forte, même dans les moments durs. Tu as toujours su aller de l'avant. Détrompe-toi. J'ai bien changé. Je ne suis plus la jeune fille naïve que j'étais. Cette version de moi ne peut plus exister. Mais non, je suis devenue une végane féministe. Tu sais... Désolé, je suis en forme. C'est désolé, excusez-moi. Je te comprends. Merci, Jill. Mais que fait-il ici? Ce que j'avais ressenti au fort venait de là. Bon sang, je dois agir au plus vite. Quoi? Alors là, par contre, là, je comprends plus. Il y a un bail de voyage dans le temps, tu peux être sûr et certain. Là, c'est logique, ça. Dis-moi, qui a fait ça? Ou je te promets que tu subiras le même sort. L'envoyé de Valeut qui a apporté le coffre a dit que c'était un coup de la bande de Cid. Pas l'air d'être très content, notre Hugo national. Je les avais laissés filer tant qu'ils se tenaient à carreau. Bordel, ces putains de sales rats. Retrouvez-les. Je vais le cogner, l'écraser, le faire souffrir, lui et tous ses salauds de complices. Ok. Pas question qu'un seul d'entre eux survive. Va-t'en. Vite. Oui, à vos ordres. Mais il a l'air pas joyeux, ça. Hein. Je ne sais absolument pas ce que c'est.
C'est la tête de Bénédicta ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Bénédicte. Merci, Hugo. D'accord, donc effectivement, je sais pas si c'est la tête ou quoi, mais... Une raison d'être. Et on remet la cam. Alors, Ifrit. Clive, qui s'est accepté, peut désormais utiliser les compétences d'Ifrit. Les compétences d'Ifrit sont utilisables en sélectionnant Phoenix. Les détails peuvent être consultés dans l'onglet compétences du menu principal. Clive a également découvert la transcendance. Celle-ci lui permet de se transformer partiellement et d'accéder à une partie des pouvoirs du primordial tout en restant lui-même. D'accord, donc si on fait la transcendance quand on est en mode Garuda, alors on a de l'air au lieu des flammes alors. Les capacités sont grandement améliorées, sa puissance d'attaque est augmentée, ses poids de vie, blablabla. Quand la jauge de transcendance est pleine, d'accord, logique. Bien, et maintenant ? Et maintenant, je vais regarder les compétences, si tu veux bien. Ok, donc on a les pouvoirs d'Ifrit juste là. C'est un truc de défense. Il faut dire, ça me paraît pas mal. Mais ça, j'aimais bien en fait. C'est pour ça que j'avais gardé des trucs. C'est. Un truc que j'aime bien, donc je vais attendre. Je vais pas dépenser, je vais attendre. J'ai plein de nouveaux trucs. On va laisser ça comme ça pour le moment. Ok. Retournons à l'estange. Je dois m'entretenir avec le maire au sujet des pourvoyeurs et de Madame Murdoch. Ah oui, juste, tu peux aller sûrement rester. Mais elle aussi sera plus en sécurité avec Sid. Ouais, bon, tu peux être sûr alors que... Je sens bien la suite. C'est qu'à l'estange, il n'y a plus de l'estange. C'est que c'est le bordel, c'est que Hugo a tout explosé. Ça paraît évident, hein. Et par contre, Mangress, j'ai pas très bien compris pourquoi, alors que normalement il était qui a-t-il avant nous. Rien comment de ça se fait que allons-y. J'ai pas très bien compris. Le seul truc, c'est que seul truc que je comprends, c'est que c'est un autre Mangress, et c'est qu'il a voyagé dans le temps en fait. Ok, oui. Je pense que c'est clair, je pense que j'avais raison. Bien évidemment, bah oui. Que s'est-il passé ? Des impériaux. Vous allez le payer. Hey ! Celui-là vit encore ! Ça paraît évident. Comment qu'on fait pour appeler le... Ah oui, en fait, Ifrit, c'est juste pendant la transcendance, en fait. Ok. Appelez plus bien les orques. On laisse pas de survivants. Qui a ordonné un tel massacre ? Ok.
Allez, viens ici, toi. Esquive. Ok. Nickel. Pourquoi est-ce qu'elle attend ici, là? Là, quand tous les soldats... Bah oui, mais... Ils sont vaincus, tous les soldats, non? Ah, ils sont là, ok. Nous échapper, pourvoyeur. Tu es né esclave et mourras esclave. Dommage. Tu es les dissidents d'Hémophiles. Les dissidents. C'est pour ça qu'ils les ont tués. Nickel. C'est de l'éviter tant qu'il est au sol. Voilà, nickel. Y'a rien à faire quand même. Ça, il faut reconnaître que manette en main, c'est vraiment un plaisir. Ça me fait penser aux anciens Devil May Cry, en fait. C'est assez... c'est plutôt plaisant, hein. Nickel. Passez-les tous au fil de l'épée, bon voyeur. Allez, hop. Merde. Okay. Désolé, je parle pas beaucoup, j'essaye de... pas trop faire de la caca. Ça me plairait quand même bien d'avoir Shiva avec moi quand même. J'aime bien son gameplay à Shiva. Ça c'est du merteau, hein. Ah merde. Il m'a mindé. Ok. Au grand mot, les grands remèdes. Il a des PV, le garçon, hein. Bon, attends, viens battre ici parce que je préfère qu'on le batte ici si ça t'embête pas. Alors que je vais crever comme une vieille chaussette. Oh là. Ça soulève. Attendez.
Ah purée. Ok. Alors, ne souhaite pas ça à la légère, tu oublies qui... J'oublie qui est Shiva. Pourquoi qui est Shiva? Oui, oui, après, oui, j'imagine bien que, oui. Oui, j'imagine bien que pour avoir les pouvoirs de Shiva, il faudrait que Jill meure. Ok. Oui, bah oui, oui, bah oui, clairement, ouais, bien sûr. Moi, je mets quand même une petite pastille sur le fait que... qu'on aura tôt ou tard les pouvoirs de Shiva. Hein. Ça paraît évident dans le développement. Hein. On n'est pas à l'abri que ça arrive, en plus, en les connaissant. Bah oui, bah oui. Je pense que tu sais quelque chose, Niala. Je pense très sincèrement que tu sais quelque chose. Et pour le moment, en plus, je suis vraiment en mode... Madame Murdoch. Ah, Madame Murdoch, ah, elle a ramassé. En plus, pour le moment, je suis en train de me retaper toutes les vidéos de... C'est ma mère qui a fait ça. Du Jour du Grenier d'Antoine Daniel sur Among Us. Et j'ai jamais eu l'occasion de jouer à Among Us. Et j'ai vraiment, mais vraiment envie de trouver des mates pour jouer à Among Us, en fait. Merde, on arrive trop tard. Gab. Clive. Ce ne sont que des suppositions. Ça me ferait vraiment kiffer de jouer, de faire une petite team pour faire du Among Us. Franchement, ce serait vraiment cool. Alors c'est Annabella qui a commandité tout ça. Je sais, ça n'a rien à voir avec Final, mais bon. Il faut abriter des pourvoyeurs. Le gouvernement d'occupation l'a appris et les a tous exécutés. Si seulement on était intervenu plus tôt, on aurait peut-être pu éviter ce massacre. Ou t'aurais fait partie des... Ma mère a toujours méprisé les pourvoyeurs. Je crois que dans son esprit... leur existence même est une aberration. Que des esclaves puissent utiliser la magie sans cristal lui est intolérable. De là à les tuer, tous ces innocents, qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Mais rien, parce qu'ils sont innocents, tu viens de le dire. Les coupables paieront pour ça un jour, je peux te le jurer. Nous vengerons ces innocents, Jill. Gab, qu'est-ce qu'on peut faire? Je croyais que vous aviez choisi votre propre voie. C'est vrai. Mais ça attendra. Si vous voulez rejoindre le groupe, vous feriez bien de retourner voir Sid pour lui en parler. Il vous avait proposé de rester. Tu as raison. Et je traînerais pas trop si j'étais vous. Sid avait quelque chose derrière la tête. Mais, et les victimes? Hé hey. Dites, vous allez pouvoir gérer ce qui reste? Bien sûr. On va s'occuper des sépultures. Merci. Et désolé. On y va quand vous voulez. Ok. Tu vois un autre primordial éventuellement pour la glace? Perso-moi pas. Non, non, non. Non, non, il n'y a pas d'autre primordial pour la glace. Non. À la limite. Je vous ai enfin trouvé la bande de Sid. Je suis un méchant, mais j'ai de l'argent parce que j'ai des boutons en émeraude. Découvrir leur repère. Je suis sûr que Kupka me donnera une promotion. Ben, généralement oui. Moi, j'aurais éventuellement pour élémentaire de glace, mais enfin, c'est plus un élémentaire d'eau. J'aurais beaucoup aimé Léviathan. Mais en tant qu'élémentaire de glace pure,
Non, mis à part Shiva. Et Final Fantasy sans Shiva, franchement, c'est chaud. Mais après, sauf Final 12, où ils avaient pris le parti de reprendre aucune avoc du tout. Et ça, je trouve ça assez cool, pour le coup. Mais la seule invocation de glace... Moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient mis Léviathan. Hein. Parce que si tu comptes, il y a 8 élémentaires de glace. Il y a 8 élémentaires. Ifrit. Ifrit Phoenix, on va dire. Glace, Shiva. Foudre, Ramu, on l'a vu. L'eau, ce serait Léviathan. Le vent, c'est Garuda. La terre, c'est Titan. Ça, on l'a vu. La lumière... la lumière, ce serait Bahamu. Ça, c'est sûr, puisqu'on l'a vu. Et le cheval... son émissaire, on voit que c'est un chevalier de lumière. Ça se voit. Et les ténèbres, ce serait Oda. Donc, ouais, Oda et Bahamu, tu vois. Voilà, pour la lumière et les ténèbres. La Terre, c'est Titan. À la limite, la lumière, ça pourrait être Alexandre. Mais je pense pas qu'il l'ait mis. Parce qu'Alexandre, il est pas dans beaucoup de Final Fantasy, même si j'adore cette invoque, c'est une de mes préférées. L'eau, ça peut être que Léviathan. Qu'est-ce que tu veux voir d'autre? Il n'y a pas d'autre invocation d'eau possible. Moi, je vois pas du tout... de mémoire... je vois pas... Ouais, je vois pas d'autre que Léviathan, en fait. C'est... ça me paraît évident. Mais là, après, ils ont peut-être mis des nouvelles invoques, hein. Ce qui est possible aussi, hein. Mais avec le... Comment dire? Avec l'aura... Allons voir, Sid. Peut-être qu'il saura nous guider. Avec l'aura qu'a eu Léviathan, et ça, c'est vrai que c'est... Je ne me souviens pas de Final Cast pour beaucoup de vidéos. Pour beaucoup de moments, pardon. Mais le moment avec Léviathan, honnêtement, je m'en souviens. Le moment où t'as la... J'ai oublié la fille, comment elle s'appelle. Qui invoque Léviathan. Ben ouais, là je m'en souviens. Tu veux quoi? Oh, cette tronche, quoi. Bon, il y a Red de nouveau. Je peux pas augmenter Tempétueuse. Je peux rien fabriquer, visiblement. Est-ce que je peux renforcer quelque chose? Je peux rien renforcer, t'es sérieux? C'est fou comme... Non, mais parle pas de Léviathan, je vois l'évoque de effet fuite. Ah oui, oui, non, moi je vois Léviathan, je vois l'évoque de FF7. Ouais, clairement. Après, l'évoque de Léviathan de FF8 est très cool aussi, hein, mais moi je vois l'évoque de FF7. Le moment de Léviathan, où tu chopes Léviathan en dessous de Junon, est génial, quand tu vas avec le petit dauphin, etc., tu vas le chercher. C'est fou comme FF15, je l'ai complètement occulté de ma mémoire. Mais... Pardon. Pardon, je vais mourir. Moi aussi. Mais ce moment précis, non. Ce moment précis, franchement, m'a vraiment fait péter les plombs. Et il était vraiment très cool. Après... faites pas attention à moi. Je me repose un peu, c'est tout. Ouais, t'en fais pas. De toute façon, je m'en bats les couilles de toi. Hein, y a pas de souci. Sauf s'ils mettent des invoques de finale 10, qui m'étonnerait très clairement. Voyons voir. Mais ça peut être très sympa. Franchement, ça peut être très sympa qu'ils mettent des invoques qui n'ont rien à voir avec les... Mais je pense pas. Je pense qu'ils sont vraiment dans le...
Pour l'ambiance, ils sont vraiment dans le basique, dans Final Fantasy, vraiment basique, avec des avocs bien connus de tout le monde. Et pour que tout le monde s'y retrouve, en fait, je pense. Allez, je me tais. Décidément, c'est toujours animé ici. Ah, on a toute la mort pour être au calme. Avoir un peu d'animation, ça me rappelle que je suis en vie. Alors, est-ce que tu as trouvé les réponses que tu cherchais ? Je ne comprends toujours pas le sens de tout ça. Mon don, mon rôle, ni pourquoi c'est moi qui l'ai reçu. Mais il y a une chose dont je suis certain. Je suis l'émissaire d'Ifrit. Alors, je vois pas spécialement une invocation de Final 10, hein, mais je sais pas. Continuer de chercher des dans Final 10, il y avait des avocs toute ma vie. Un petit peu bien dit. Exclusifs, quoi, donc pourquoi pas. S'accepter, c'est mais l'invocation d'où dans Final 10, c'est Léviathan, non? Quel que soit notre passé, non. Il faut l'intégrer pour se pardonner à soi-même. Est-ce qu'il y avait une invocation d'eau? Je me souviens. Si, je repense à une chose. J'ai oublié. Tu disais vouloir créer un endroit où les gens pourraient mourir comme des êtres humains normaux. Tu retournes aussi, je suis pas loin, je reviendrai plus tard. Pas de soucis, pas de soucis. Y réfléchis. C'est quoi l'œuvre? Est-ce qu'il y a une œuvre d'eau? Un endroit où les gens pourraient vivre. Dans Final 10. Pendant ces 13 ans. Je me souviens plus des avocats. Merde. Je ne pensais qu'à ça constamment. J'en avais complètement oublié le monde qui m'entourait. À présent, j'ai compris une chose vraiment importante. Les Magus, ouais. Mais ouais, les Magus, je m'en souviens. La première avoque aussi, dont j'ai oublié le nom. Valtor, de Vitor, d'un truc comme ça. Il est difficile de vivre librement. Ixion, je me souviens. Même d'arriver à mener une existence paisible. Je me souviens de ma déception de ne pas voir Ramu. Surtout. Bahamut, évidemment. Je suis conscient de ça, je veux nous forger un nouveau destin. Donc, ce sera ta rédemption? Non, hein, il n'y avait pas de... Oh, c'est mignon. C'est notre conclusion, oui. Ce sera notre objectif. Par contre, pas question de vous loger gratuitement. Nous le savons. Bah, Cid. Valfort, merci. Bah, c'est Cid, en fait. La vocation d'eau. Tout simplement. C'est Cid. Qu'est-ce que ça va être encore, cette fois? Alors voilà. On va s'infiltrer dans la capitale de l'Empire Sambrequois. L'idée à la con. Fracasser leur cristal. Oui, Valfort, merci, Valfort, voilà. Je savais que c'était un nom comme ça, mais... Purée, c'est joli. Nous venons d'apprendre que nos champs de grains de l'Est ont eux aussi succombé au fléau. Depuis quelques années, le fléau progresse à une rapidité qui est alarmante. Il va finir par atteindre la capitale. Non, c'est pas vraiment une invocation à proprement. Enfin, quoi que... Ce ne sont pas ces discussions stériles qui vont nous sauver. On se croirait à Bevel en parlant de ça. Votre Majesté. Nous avons pourtant des terres intactes à portée de main. Nous n'avons qu'à nous servir. Majesté, seriez-vous en train de parler du dominion du cristal? Nous sommes liés par un pacte de non-agression. Aucun des signataires ne peut toucher au dominion, vous le savez. Les traités n'ont de poids qu'en temps de paix, pas de crise. Mais ce serait un acte de trahison. Nous ne pouvons pas commettre une telle infamie. Que ce soit une liaison pour faire ce. Again. Les rues de la capitale grouillent d'ores et déjà de réfugiés qui ont perdu leurs terres à cause du fléau. Dès lors que le fléau nous a privés de nos terres arables, l'approvisionnement futur devient un sérieux problème. Et avec cette guerre insensée dans laquelle vous nous avez engagés, non seulement nous n'avons pas réussi à leur reprendre nos terres,
Mais nous avons perdu beaucoup de nos hommes face aux Valois. Ah, ce trône est trop classe. Un carteron d'incapables qui se désaltère tranquillement autour d'une table alors que notre peuple souffre. De piètres modèles de sagesse pour des enfants. Un pays n'est rien sans son peuple. Et un peuple rien sans son pays. Si le fléau noir... Je veux la même table dans mon jardin. Alors il nous incombe de trouver une solution à cela. Mais Majesté, je vous implore de revenir sur cette idée. C'est au contraire le moment ou jamais. Le Dominion sera bientôt notre... Bah, tout à l'heure, alors, Niela. Joue bien, amuse-toi bien. Vous parlez de volonté divine. Mais comment allons-nous organiser cette offensive? Et comment financer cette conquête? Il faudra affréter nos troupes. L'armée sera-t-elle prête? Nous devons anticiper la réaction des autres nations. Le temps nous fait défaut. Préparez tout au plus vite. J'ai beau regarder tous les détails, franchement, c'est vraiment magnifique. Où est Dion ? Son Altesse le Prince se trouve stationné au fort d'Horta. À votre demande, nous pouvons le faire revenir auprès de vous immédiatement. Non, ce n'est pas la peine. Dites-lui simplement de soigner ses blessures avant tout. Nous aurons bientôt besoin de la puissance de Bahamut. Elle va envoyer du lourd. Et par contre, on n'a pas vu qui était l'émissaire d'Odin. Attends une seconde. Tu es en train de dire que les cristomères sont à l'origine du fléau noir et des terres mortes? Tu dis vague. Vague. Oh, t'es pas le premier à me dire ça, mais non, pas cette fois. Là où passe le fléau, la terre meurt. Les terres s'évanouissent, et les sols sont tellement taris qu'il n'y pousse plus le moindre brin d'herbe. Impossible alors de faire naître la magie. Comment expliquer ça? Ça fait des années que j'étudie la question, et crois-moi, je suis maintenant certain de la réponse. Tout ça, c'est parce que les cristaux mères épuisent les terres du sol autour d'eux. Expliquer. Ces cristaux fonctionnent sur le même principe. Ils absorbent brièvement les terres ambiantes pour le changer en magie. Et vous savez d'où viennent ces cristaux? Bien sûr. Ils sont prélevés sur les cristaux mères. Ah oui, ça semble les évident. Les cristaux ordinaires sont donc constitués de la même matière que les cristaux mères. Mais les cristaux mères sont immenses. C'est juste des cristaux géants, alors? Pas tout à fait. Les cristaux mères, eux, aspirent de l'éther en permanence et en grande quantité. La seule chose que j'ignore, en fait, c'est où cet éther se retrouve ensuite. Mais on nous enseigne que les cristaux mères sont sacrés, que leur éther est un cadeau divin. Eh ben non. L'humanité entière voit l'éther octroyé par le cristal comme un don, comme un bienfait. C'est pour ça que depuis l'Antiquité, tous se battent pour s'en emparer. La vérité dérange. Alors on veut nous faire croire tout ça. Tu fais allusion à qui, au juste? Aux dirigeants? Aux dieux eux-mêmes? Les cristaux mères seraient la source de tous les maux. Et ensuite? Ton but n'était pas de sauver les émissaires et les pourvoyeurs? C'est toujours le cas. Je compte pas renoncer à cette partie du projet. Mais si on laisse faire les choses, les cristaux mères vont changer le monde en terre morte. L'humanité est en danger, et on n'a plus le temps de convaincre. Il faut foncer et agir avant qu'on soit tous morts. Ensuite, on pourra créer ce fameux endroit où les gens peuvent vivre en paix, comme ils l'entendent. C'était ton idée, il me semble.
Ah mais du coup, plein de questions. Qu'est-ce qu'on fait des cristaux mères? Comment on les brise? Je suis prêt à briser moi-même tous les cristaux mères, un par un s'il le faut. Alors, vous me suivez? D'accord, je veux bien te faire confiance encore une fois. Le symbole de ce serment. On sera content de vous avoir avec nous tous les deux. Allez. Ok. Je dois quand même commencer par faire quelques achats. Des quêtes annexes, évidemment. Oh, faites pas attention à moi. Je me repose un peu. Ouais, mais chaque fois tu le dis, t'inquiète pas. Ils ont même massacré les villageois. Alors, non. Vous avez l'air bien agité, qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, j'espère. Non, non, c'est juste une quête FedEx, c'est tout. Bien ça. Pour tout dire, j'ai égaré plusieurs objets très importants pendant ma tournée. Votre tournée? Qu'entendez-vous par là? Je m'appelle Glenn. En tant que coursier, je livre des missives et divers biens aux habitants du repère, ainsi qu'un peu partout dans Valistea. Mais j'ai perdu plusieurs de mes paquets. Si je n'arrive pas à les retrouver et les livrer, tout le monde risque d'en souffrir. Et le pire de tout, c'est que j'ai aussi perdu une lettre de la plus haute importance. Sid l'attend de pied ferme. Et pourquoi n'allez-vous pas chercher ce que vous avez égaré? Croyez-moi, c'est ce que j'aimerais faire, mais hélas, j'ai reçu une nouvelle mission urgente et je dois m'y rendre sans tarder. Comme par hasard! Mais oui! Clive, je pourrais vous demander d'aller retrouver mes paquets? Je vous en serai éternellement reconnaissant. J'ai que ça à foutre. Pas comme si je devais sauver le monde. Bien, si vous y tenez... Merci, Clive. Vous me sauvez la vie. Il suffirait que je retrouve la trace de vos livraisons et que je les récupère, c'est bien ça? Vous avez une idée de l'endroit où elle pourrait se trouver? Je revenais de la nef en passant par le domaine de Golton et... j'ai voulu accélérer le pas par peur des créatures qui rôdaient dans les parages. C'est peut-être là que les paquets sont tombés. Après avoir vérifié le contenu de mon sac, je pense avoir perdu 3 paquets. Si vous voyez des sacs en jute, ce sera certainement ça. Le plus important reste la lettre de Sid. J'espère vraiment que vous pourrez la trouver. Ne vous en faites pas. Qui cherche, trouve. J'espère que vous avez raison. Merci pour votre aide. J'aimerais rester ici pour discuter, mais j'ai une autre mission qui m'attend. Je compte sur vous. Ok. Ce n'était pas son jour de chance, on dirait. En route pour le domaine de Golton. Je dois retrouver la lettre avant que les éléments ne la rendent illisible. Une autre quête. Avait l'air très perturbé. Qu'est-ce qu'il en met du temps? Là, il fallait aider un mec, ça. Est-ce que tout va bien? Mes excuses, jeune homme. J'étais perdu dans mes pensées. Je m'inquiète pour un ami, c'est tout. Il est parti plus tôt et il n'est pas revenu. Et vous savez comme ce monde est dangereux pour les pourvoyeurs. Pourquoi sortir et s'exposer ainsi? Pour l'argent. Il en fallait. Et il connaissait les risques. Le repère a besoin de fonds pour fonctionner. Caron apporte tout son soutien. Mais ses ressources sont limitées. Mais... vous étiez un soldat, non? Dans l'armée sambrécoise. C'est vrai. Pourrais-je vous demander un service? Vous êtes sans doute bien plus doué que moi à l'épée. Ah, il y a des chances, oui. Vous le retrouvez. Allez, let's go! Je vais voir ce que je peux faire. Oh, merci. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur lui? Il s'appelle Randall. Et je pense qu'il est allé à la nef. Il travaillait pour Quentin, dans sa taverne. Il faudrait lui parler. Je m'en occupe. Soyez prudent, l'ami. Et merci encore.
Allez, en avant. Alors, tac, 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 tac. On va d'abord essayer la nef. Alors, s'il n'y a pas des quêtes là-bas, il y aura peut-être des quêtes annexes là-bas aussi. Eh bien, oui. Bingo. Bingo. Donc là, c'est les trois... Ah non, en fait, il y a plein de quêtes, en fait. Ça n'a rien à voir... Tu donnais pour le repère. Ouais, c'est là, quand t'es là, en fait. Et non, mais en fait, je pense que les trois lettres, c'est là aussi, en fait. Donc non, il n'y a pas de nouvelle quête, en fait. C'est juste les deux... Les deux quêtes sont localisées ici, en fait. Enfin, je pense. On verra bien. Bientôt les vendanges. Bon, je suis pas sûr. S'il y a la guerre, je pense que tu auras plus de boulot à te cacher qu'à faire les vendanges. Hein. Alors, bonjour Quentin. Ah, revoilà l'ami de Sid. Je peux savoir ce qui me vaut l'honneur? Je cherche un homme du nom de Randall. J'ai cru comprendre qu'il travaillait ici. Cela fait un moment qu'il aurait dû rentrer au repère. Un ami à lui m'a envoyé le chercher. Randall, c'est ça? Le porteur? Oui, 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 je le connais. Je ne serais pas surpris qu'il soit encore à la tâche. Il avait de quoi faire. Mais à y réfléchir, je pense qu'il devra en avoir fini maintenant. Je vais voir ce qu'il en est. Vous sauriez où il est allé? Il devait rencontrer un de mes associés au sud, à la cendre de l'Aubert. Et s'il lui était arrivé malheur, j'aimerais que vous le retrouviez, Clive. Mais je suis là pour ça, en fait. Donc, Ok, alors... C'est par là. Bon, ben, let's go. Papa, je veux boire du vin. Et non, alcoolique. Le soleil se couche. Ok, c'est par là. Essayez de s'y retrouver, hein. Bientôt tout le monde sera. C'est par là ou par là? Je pense que c'est par là. C'est absolument pas par là. C'est absolument pas par là. Alors. Je pense qu'on est dans le bon maintenant. Ouais, ok, nickel. Nickel. Bon, Randall, où es-tu? Deux guilds. Oh cool. T'as bien fait de faire le détour. Des hommes bêtes. Randall s'est occupé de les distraire. Je lui avais pourtant dit de pas les combattre. Où cela s'est-il passé? Un petit peu plus loin, dans la clairière. Pitié, allez voir s'il va bien. Je verrai ce que je peux faire. Retournez à la nef et dites tout cela à Quentin. Ok, allez, c'est parti. On va devoir péter des bouches. Ok, des gobelins. Des gobelins. Ils ont attaqué la charrette. Viens,
moi, Garuda. Ah mince, j'étais trop gourmand. Ok. Nickel. Bingo. Des matériaux d'artisanat. Ah, je pense que Randall... Il ne rentrera pas à la nef. Oh, Randall. J'arrive beaucoup trop tard. Sa dépouille ne devrait pas pourrir ici. Je dois voir Quentin. Ok, bon. Il y a une partie là, on n'a pas... été voir. Ok, bon, bah écoute, on va retourner. On peut faire... Oui, il y a TP juste là. Yops, voilà. Hello, Tilvea. Oh, Tilvea, comment ça va? Ça fait plaisir. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Pardon, petit rototo. Alors, on est sur Final 16, donc si tu es, si tu fais... Tu reviens de vacances. Ah, c'était cool, c'est cool. T'es parti où, dis-moi? Est-ce que tes vacances, ça a été... J'espère que t'as pris beaucoup de plaisir, beaucoup de repos, beaucoup de bon temps. Ouais, ben moi, écoute, ça va super bien. Chez la famille au soleil, mais c'est magnifique, ça. C'est extra. Tu dois revenir toute bronzée, alors c'est cool. Ah, ben oui, ben c'est... Écoute, ça... On devrait songer à rentrer. Voilà, c'est ça. Donc du coup on est sur Final 16. Si tu comptes le faire en stream ou pas d'ailleurs, voilà. Ne te spoil pas. Si tu t'en fous, t'es la bienvenue. Voilà. Si sache que tu comptes pas le faire, d'accord. Si tu comptes pas le faire, bah, c'est magnifique alors. Et donc nous on a fini de notre côté. J'ai fini de tel. Zestria, juste avant Final 16, et je me suis fait aussi quelques petits achats puisque c'était mon manif il n'y a pas très longtemps, début de mois, je me suis mis bien dans plusieurs. Donc tu restes, eh ben écoute, c'est trop cool, c'est bien, et donc principalement RPG, donc voilà, donc après Final 16, je sais que voilà, je me suis fait une belle une petite chose assez sympathique. Donc de mémoire, j'ai acheté Collection of Mana avec les trois manas.
Je me suis acheté... qu'est-ce que je me suis acheté ? Live Alive, mais je l'avais plus longtemps, je l'ai jamais fait. Le Sphere que j'ai... que j'ai pas fini, que j'aimerais bien faire en stream. Bravely Default 2 aussi qu'on m'a offert, qu'un très bon pote m'a offert. Xenoblade Chronicles 3. Je n'ai toujours pas fait le 1 et le 2, donc ça attendra un petit peu. Je me suis offert Octopath Traveler, Metroid Dread, et je pense que c'est tout. Mais Grandia, je me suis offert aussi la collection de Grandia HD, mais ça en démat pour le coup, parce que au niveau prix, c'était inaccessible. Enfin si, c'était accessible, mais je refuse de mettre un prix comme ça pour un jeu. Donc voilà. Vous revoilà. J'ai eu vent de ce qui s'est passé. Je me suis acheté aussi 2-3 jeux PS5. Randall n'est pas rentré avec vous ? Ah non. Quel malheur. C'est ce que je craignais. Il repose près de la porte sud. Vous vous occuperez de sa dépouille ? Bien sûr. J'envoie des hommes sur le champ. Oui, parce que le ramener sur mon épaule, je t'avouerai que... C'était quelqu'un de brave. Quel incroyable gâchis. Et donc, du coup, toi, tu étais sur... C'était un ami de longue date. Le dernier si jeu, c'était veut. Sur... Il travaillait dur et accomplissait parfois de dangereux... C'était The Symphonia, hein, je... Il méritait bien sa paye. Si je dis pas de bêtises. Il trimait comme un fou pour aider le repère. Je vais raconter tout cela à Sid. Je ne doute pas qu'il sera peiné d'apprendre la nouvelle. Et qu'est-ce que tu comptes faire, dis-moi tout. Je suppose que vous avez connu des jours meilleurs. Je suis navré. Quête terminée. Donc là, on est sur des petites quêtes annexes. Hein. Météorite et des minerais draconiques, d'accord. Ok. Alors, est-ce que t'as des choses à me vendre, toi ? Bonjour, c'est pourquoi ? On peut éventuellement t'acheter des choses, mais c'est tout pourri. Vu que tu as, donc je vais pas les acheter. C'est quoi ça ? Pastille de nectar des héros. D'accord. Ah oui, Zelda, d'accord, t'es sur Zelda pour le moment, d'accord. La fin de Berseria, très chouette, franchement, j'ai beaucoup aimé. Non, c'était pas Berseria, c'était Zestria que j'ai fait. J'avais commencé effectivement Berseria, mais Niala m'avait conseillé de faire Zestria avant. Très bon, très bon. Après, bah oui, c'est un peu le problème des Tales of. Enfin, c'est un peu le problème que j'ai avec des Tales of, c'est que sur la fin, c'est un peu le bordel, on s'y retrouve plus. Mais franchement, très chouette, c'est bon petit RPG, très agréable. Non, très chouette, franchement très chouette. Reviens quand tu veux, l'ami. Manette en main, très cool. Et ouais, franchement, l'histoire est bien. C'est bon, c'est bon. J'ai beaucoup aimé le fait que il y ait moins de. En fait, c'est un truc qui m'avait un petit peu pris la tête dans Tales of Arise. C'est le nombre de scénettes. Alors, ça me dérange pas qu'il y en ait quelques-unes, mais sur la fin, franchement, Tales of Arise, c'était un petit peu, on était un peu dans l'abondance en fait, hein, donc même si en soi l'histoire est très cool, hein, mais c'était un petit peu trop selon moi. Mais non, franchement, très bien. Donc je me suis acheté aussi le coffret de Tales of Symphonia, le coffret collector, le steelbook. Après Glenn, c'est par ici qu'il aurait fait tomber les paquets. Il devrait encore être dans le coin. Ok. Et un paquet pour Bibi. Un sac en jute. C'est sans doute celui que cherche Glenn. Et donc, voilà. Donc t'es sur Zelda alors. Y'a rien à faire moi Zelda, j'y arrive pas. J'aime beaucoup regarder. J'ai regardé les streams récemment
de Mister MV ou encore de Bob Lennon aussi sur, sur les Zelda. Franchement, ça me donne vraiment envie. Mais moi-même y jouer, j'y arriverai pas. Je saurais pas quoi faire en fait. C'est comme le premier Zelda. Hein. En fait, quand j'y joue, je m'ennuie en fait. Je sais pas quoi faire. Et j'ai trouvé les trois paquets, mais toujours pas de lettres. Mais je ne. Je vais peut-être aller demander si quelqu'un ne l'aurait pas ramassé. Je ne suis pas en train de dire que le jeu est mauvais. Je suis en train de dire que moi, ça me correspond pas en fait. Mais j'ai, par exemple, j'adore regarder quelqu'un qui sait y jouer. C'est super agréable. Par exemple, Bob Lennon est franchement. C'est franchement assez kiffant. Vous êtes. Vous connaissez Messire Quentin ? Vous avez nous aider au vignoble aujourd'hui ? T'as vu ma dégaine, sincèrement ? Est-ce que j'ai l'air de... Est-ce que j'ai l'air d'un vigneron, là ? S'il te plaît. Non, ça me dit rien. Je vois. Et donc, ouais, donc comme je disais, les streams de attendez. De Bob ou... Un chien tout à l'heure. Ou de MV ou de d'autres. Une feuille de papier dans la gueule. Ben franchement, c'est kiffant. Par où est-il parti ? Il trottinait en direction de la nef. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un chien errant, je crois l'avoir déjà vu près du village. Merci pour votre aide précieuse. Mais bon, j'ai mon meilleur pote qui s'éclate sur Zelda, sur le dernier Zelda aussi. Et lui, il veut absolument pas le lâcher, il l'adore vraiment. Et voilà, franchement, et je ne doute pas que... Il faut reconnaître que les idées de gameplay et tout, les donjons et tout, sont... c'est une nouvelle manière de... C'est ça qui est bien, et en même temps, c'est ça qui me correspond pas, moi, personnellement. C'est qu'il réinvente sans cesse une manière de jouer. Pour moi, le fait de crafter plein de choses, etc., on n'est plus du tout dans un Zelda. Mais après, je peux pas critiquer le fait qu'ils prennent des choses qui fonctionnent à la Minecraft, entre guillemets. Hein. C'est quelque chose qui fonctionne, donc... ce serait bête de pas prendre ce truc-là pour faire fonctionner ton gameplay, donc c'est plutôt une bonne chose. Ah, vous revoilà. Vous venez voir Messire Quentin ? J'en ai marre de sentir le poisson fumé. Coucou le chien. Zelda, soit ton homme, soit ton homme pas. Mais, eh ben, je suis parti de la deuxième catégorie. C'est donc toi qui l'avais. J'ai jamais réussi à accrocher à Zelda. Jamais. Mais je n'en... Purée, qu'il est mal fait, le chien. J'ai retrouvé tout ce que Glenn avait perdu. Mais je ne... Désolé, mais tu vas devoir te trouver un autre jouet. Mon copain n'aime pas, je peux comprendre. Bah oui, voilà, c'est ça. Il devrait être content. Mais, comment dire... Je ne dis pas que ce sont des mauvais jeux pour autant. Hein. Voilà, c'est juste que ça me parle pas, en fait. Attends, comment je fais pour... Ah oui, c'est juste, j'avais oublié. Un petit peu comme, par exemple, comme Elden Ring, ou tous les From Software. Ça, par contre, j'ai vraiment du mal avec ça. J'ai vraiment du mal avec ça, dans le sens où... moi, de Demon's Souls à Bloodborne à Dark Souls 2, Dark Souls 3 à Elden Ring, pour moi c'est exactement le même jeu. J'arrive pas à comprendre tout ce truc autour de ces jeux là et en plus on me dit que c'est réaliste et tout ça et tout ça. Très réaliste pour peu qu'un jeu avec des zombies, des squelettes, des monstres, etc. puisse être réaliste. Mais c'est comme moi, FF, je suis pas fan. Ben voilà, c'est la même chose. Ok. J'aime pas du tout ce gameplay ultra lourd. Et surtout, j'aime pas le fait de... Moi, je joue à un jeu vidéo pour me relaxer. Je suis pas en train de jouer à un jeu vidéo pour me prendre des tatanes à longueur de temps et enchaîner les game over et vouloir mettre ma manette contre un mur. Après, pour moi, franchement, les Demon's Souls, les Dark Souls, etc., tous les jeux From Software, c'est de la comparaison d'Easy, en fait, pour moi. Franchement, c'est vraiment...
c'est vraiment à qui aura la plus grosse, quoi. Et mais après, voilà, il y en a d'autres qui aiment bien, et il y en a beaucoup qui aiment bien, donc c'est bien la preuve que, vous êtes en fin de retour. Forcément, ben, plus vite après ma j'ai pas forcément raison, quoi. Il vous manque des choses, n'est-ce pas? Après, Zelda, c'est toute mon enfance. Je vous ai tout rapporté, ne vous en faites pas. Je connais les types de jeux, la façon dont le jeu était construit, et la lettre de donc c'est plus agréable déjà. Oui, ils sont tous ici. Bien sûr. Bien sûr. Après, moi, j'ai pas grandi avec Zelda. Pourtant, je suis vieux aussi, mais j'ai pas grandi avec la Super NES. J'ai grandi un petit peu avec la NES, mais à l'époque, voilà, Zelda c'était un peu moins mis en avant. J'ai juste grandi. Enfin, la seule console Nintendo que j'ai vraiment eue, bah, c'était la NES et la GameCube. Et la GameCube, oui, il y a eu Wind Waker, voilà. Mais déjà à l'époque, il était déjà trop tard pour Zelda pour moi, entre guillemets. Je veux dire, je m'étais déjà accroché à d'autres licences, et donc voilà. Mais les deux derniers Zelda, il faut reconnaître qu'ils ont tout retourné, quoi. C'est un miracle. Merci, je vous dois la. Mais les jeux Nintendo en général, c'est mon truc. Mais moi, beaucoup moins déjà, en fait. Mais égaré la lettre les licences Nintendo, trippé. C'est moins mon truc. Elle est confidentielle, n'est-ce pas? Donc, pas du tout, loin de là. C'est sa fille qui lui écrit. Il paraît qu'elle vit dans une contrée lointaine où elle étudie dans une école réputée. Mais oui, c'est sûr que... Voilà. Ses lettres avec impatience. Sid ne m'a jamais parlé d'une fille. C'est le pire papa poule que je connaisse. Et si jamais il avait manqué une des lettres de sa petite à cause de moi, je me serais attiré ses foudres. Mais ouais, c'est... Merci pour votre... Oui, ça sort du lot, c'est sûr. C'est même une récompense pour vous. Mais par contre, voilà, qu'on me vienne pas me dire que Zelda est un RPG, par exemple. Quand je lui apporte des nouvelles de sa fille... Ça fait plaisir à voir. Ça n'enlève pas le fait que ce soit un bon jeu, hein. Désolé, je viens de tester. Certains pouvoirs, c'est du lourd. D'accord. Niala, fan de FF, elle. Beaucoup plus fan de FF. Mais j'en doute pas. Et nous parlions de Zelda, donc. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Bah, pour moi, tu vois... oui, c'est un jeu d'aventure, voilà, c'est ça. Mais après, c'est pas pour autant que ça en fait un mauvais jeu, hein. Pas du tout. Comme pour moi, ce FF16, c'est presque plus un RPG, en fait. Mais c'est pas grave. Oui, il y a des éléments d'RPG, mais à la limite, il y a plus d'éléments de RPG dans un Assassin's Creed Odyssey ou Origins que ici. Oui, il y en a, mais je sais que je vais faire dresser les poils de tous les poils de Niala, mais c'est vrai. Pour reconnaître que tout ce qui est équipement, c'est franchement, c'est pas parce que t'as une image en mode Moyen-Âge, etc., que ça en fait un RPG. Hein, voilà, c'est il faut reconnaître que. Non, t'as pas tort, ok. Les compétences, excuse-moi, par rapport aux sphériers de FF10 ou encore à toutes les possibilités des matériaux de FF7 ou encore les trucs de FF9, les trucs des capacités de FF9, je ne parle pas de Final 8, hein. Parce que je trouve que ce système était complètement pourri, même si on pouvait... La preuve qu'il était pourri, c'est qu'on pouvait casser le jeu au bout de quelques heures, quoi. Voilà, c'est vraiment extrêmement léger, quoi. Donc voilà, mais après c'est quelque chose qu'ils ont qu'ils assument, donc ça, moi ça me gêne pas, en fait. C'est vraiment plus c'est vrai que le côté Devil May Cry est assez je le répète, mais c'est vrai que c'est assez présent dans... Alors, dans quel coin paumé est-ce que Sid a décidé de vous embarquer cette fois? Oriflamme. La Sainte Capitale? Et qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Réflexion faite, je préfère pas savoir. Ouais, t'as raison. Tu ne veux pas savoir. Alors, épée longue, mais c'est tout pourri. Mais tout est en rupture de stock, si tu me racontes. Euh...
C'est vrai que c'est quand même cool, là, ça. Le compte y est. Voilà pour vous. L'air de rien, c'est quand même cool, ça. Parce que je l'utilise quand même très souvent, hein. C'est 10 000, mais c'est cher quand même. Hein. Enfin, après, je peux vendre des trucs. Oh non, tu sais quoi, je vais... D'Oriflamme, il paraît que les routes de commerce partant de là vers le sud ont vu leur trafic plus que doubler. Et donc voilà. À mon avis, il y a quelque chose qui se mijote. Mais... Ça sent encore plus mauvais que les affusions de Taria. Mais c'est sûr que... Allez voir autour si vous voulez en savoir plus. Honnêtement... Les deux derniers Zelda sont des plus réussites et le dernier Zelda, Tears of the Kingdom, ça doit être... après je suis sur WoW aussi. Ah oui, ça c'est... Voilà. Il avait l'air très perturbé tout à l'heure. C'est... comment dire ? C'est le GOTY, hein. Très clairement, hein, Zelda, c'est le GOTY, hein. Il n'y a même pas de possibilité de débat, en fait. C'est clairement le GOTY, hein. Bien loin devant Final 16. Pourtant, j'aime Final 16. Mais... Sid se décide enfin à mettre à exécution son plan. Mais c'est pas trop tôt. Il boxe pas dans la même catégorie. Trop risqué. Et pourtant, j'aime pas Zelda. Nous allons d'abord nous infiltrer sur place. Mais en termes de jeu, en termes de ce qu'il offre... Au moins les choses sont en votre faveur. Si, y a même pas de débat. À peine de sa cuisante défaite contre les Valedois lors de la campagne de Belenus. Malgré ça, ils repartent déjà, cette fois vers le sud. Une autre guerre. Ils prétendent que c'est la volonté de leur déesse. Si tu veux mon avis, elle a bon dos, la déesse. Faut justifier les guerres. Enfin, ça pourrait arranger nos affaires dans le cas présent. C'est le bazar. Les gens sont affairés à tout préparer. Ils sont agités. Honnêtement, dit le VA, si avec la pagaille qui règne, je suis prêt à parier que si vous en faites préfère... des plaisirs, vous passerez totalement inaperçu. Garanti. Je préfère les anciens aux nouveaux. C'est plutôt d'arriver à Oriflamme. Passer l'octroi. Pourtant, voilà. Objectivement, c'est... Les contrôles sont renforcés, alors c'est pas simple en ce moment. Il n'y a rien à redire, quoi. Et figure-toi que j'ai la solution à ce problème. Ça ? Ça, tu vois, c'est magique. Ta gueule, c'est magique. Un laissez-passer très spécial. À Francastel se trouve une de nos partisanes. Je vais lui envoyer un Stolas pour lui demander de l'aide. Quand tu la verras, ce sachet l'aidera à te reconnaître. Elle saura trouver... C'est de la coke. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette femme ? Sur certains points, je suis d'accord. Eh bien, pour tout te dire, c'est une mère maquerelle qu'on appelle... Je vais t'expliquer. Apolline, une sacrée beauté. Je vais t'expliquer pourquoi, en fait. C'est une professionnelle, et tu peux me croire. Apolline, c'est compris. Ça a l'air de te faire ni chaud ni froid, ce que je te raconte. Je passe en AFK, je reviens d'ici peu. Pas de soucis. L'homme sérieux, tu me raconteras. À tout de suite. Mais en fait, pour... Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Comptoir des quêtes disponibles. Ah ah ! Pour revenir là-dessus, en fait, pourquoi, pour moi, les anciens Zelda sont plus... sont mieux que les nouveaux ? Alors, quand je dis sont mieux, c'est relatif, évidemment. Ça dépend de quoi ? Ça dépend... mais pourquoi je préfère en tout cas les anciens Zelda au nouveau, c'est que moi j'aime ce côté où même si on a de la liberté, on a quand même un certain tracé dans le jeu. Comme ça tu m'expliqueras après. D'accord, bah écoute, je répéterai, c'est pas un souci. Je n'aime pas en fait le côté les nouveaux Zelda, ils ont un petit peu pris ce côté, et je vais revenir là-dessus, ce côté un petit peu Elden Ring, dans le sens où tu es lâché sur une map et vas-y quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui adorent ce principe-là, moi je trouve que c'est la meilleure manière de s'emmerder complètement. Moi j'aime bien être sur des rails, j'aime pas être lâché complètement parce que... Au bout d'une heure, je vais m'ennuyer s'il ne se passe rien.
Le côté un peu bac à sable, c'est pour tout ça que je sais pas jouer à des jeux comme Valheim, comme Minecraft, etc., etc. Parce que je m'ennuie. J'arrive pas. Pour moi, je dois être embarqué dans quelque chose. Voilà. Et c'est un petit peu le même principe pour Elden Ring aussi, entre autres. Mais Elden Ring, il y a d'autres choses qui m'embêtent aussi, en plus. Donc ça fait. Voilà. Mais c'est ça qui m'a fait lâcher Zelda, c'est que je vois un truc bien loin et je sais pas comment y aller. Machin, ça m'énerve. Voilà. Que dans les anciens, ben, je trouve que voilà, t'as des personnages. Et puis aussi le fait que j'ai trouvé Zelda, le premier en tout cas, celui que j'ai joué, je l'ai trouvé effroyablement vide. Alors c'est vrai, j'ai peut-être pas joué assez longtemps que pour dire ça. J'ai joué une heure et demie, deux heures, un truc comme ça. Breath of the Wild, je le trouve vide, magnifiquement vide, mais vide. Alors, ça se justifie peut-être par l'histoire, par des trucs, par des pirouettes scénaristiques, ok. Mais malgré tout, moi j'aime bien... c'est un petit peu ça que j'aime bien dans Final Fantasy aussi, c'est que tu rentres dans un village, t'as des PNJ qui viennent te parler, etc. C'est beaucoup plus... t'as le côté vraiment vivant et c'est ça que j'apprécie dans les RPG. C'est que un RPG, c'est ça par exemple que j'aimais pas du tout dans Final 13. C'est que tout ce qui est histoire, c'est de la lecture, c'est des logs, quoi. Donc je trouvais ça tellement tellement chiant, mais après c'est voilà, c'est une question de choix scénaristique et à côté de ça, il y a des gens qui ont adoré Final 13, donc c'est pas un souci, c'est pas voilà, c'est juste que moi dans mes standards à moi, dans mes goûts à moi, c'est un truc qui me correspond pas, quoi, tout simplement. Voilà. Alors, vous avez désormais accès au comptoir des quêtes au repère de Cid. Vous pouvez consulter les quêtes disponibles et accéder rapidement à la zone de départ de celle-ci. D'accord, d'accord. On devrait aller pour le voyage. Allons voir Gab. Salut, t'es le nouveau ? Moi, c'est Gauthier. Bienvenue au comptoir des quêtes. Oh, cette voix. Notre boulot ici est de répertorier les divers incidents qui se produisent dans chaque région en se basant sur les informations que nous donnent nos précieux partisans. Tu connais bien ça, non ? T'as sans doute souvent l'occasion de venir en aide aux gens dans le besoin. Eh bien, ce genre de tâche peut facilement se retrouver chez nous. En tout cas, si résoudre les problèmes des autres t'intéresse, fais-moi signe. Non, mais par contre, ta voix m'énerve au... sentiment de satisfaction. Ta voix m'énerve particulièrement. Je serais ravi de pouvoir coopérer avec toi. Alors. Moi ? Je m'occupe des boulots que me donne Otto. Je suis un peu son homme à tout faire. Je lui dois beaucoup. Il y a longtemps de cela, il m'a sauvé pour d'une vie misérable et j'ai ainsi décidé de le suivre pour l'aider dans sa mission. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. C'est à mon tour d'aider les gens qui ont des soucis. C'est le soutien de nos partisans. Avec le soutien de nos partisans positionnés un peu partout. Il reste encore des problèmes non résolus. Je ferai un plaisir de t'indiquer alors, le chemin. Alors, tu partons ? Je suis sûr que Otto serait content d'apprendre que tu nous aides pour notre cause. D'accord. Voilà. La liste des quêtes disponibles peut être consultée au comptoir des quêtes. Ce menu permet de se déplacer automatiquement dans la zone de départ d'une quête. Ok, donc il y a deux quêtes différentes. Ok, donc là on a toutes les quêtes possibles en fait. D'accord. Eh ben, let's go! Salut Alain! Ah, t'es de chez Cid, toi. Arrête-moi si je me trompe. Dis, tu voudrais pas me filer un petit coup de main? Je suis là pour ça. Ça dépend. C'est pourquoi? Des pourvoyeurs viennent tout juste d'arriver d'Oriflamme. Il a fallu lâcher une belle petite pièce pour que leur maître accepte de me laisser les emmener. Le type devait être un sacré tyran. J'arrive pas à en tirer un mot. Quand ça veut pas... Ça veut pas. Il va certainement avoir peur de vous. Ça m'étonnerait pas. Ce serait peut-être différent s'il parlait à un autre pourvoyeur. Dis, tu voudrais pas leur parler ? Les aider à s'installer ? Alors, si c'est leur parler, ok. Ça risque pas d'être compliqué. Pourquoi pas ? Merci, l'ami. Dis-leur que tout va bien. Et s'ils ont besoin de quelque chose,
Il suffit de demander. J'y manquerai pas. Merci encore. Ils sont assis juste là. Ils prennent une pause bien méritée, je crois. Mais ils t'entendent de là, en fait, hein, donc... c'est pas très discret, hein. C'est vous, les nouveaux ? Je peux faire quelque chose pour vous ? C'est bon, ça va aller. Quand on dit ce qu'on pense ici, on ne nous punit pas. Vraiment ? Oui, vraiment. J'ai faim. Ma sœur aussi, on n'en peut plus. Attendez ici. Je vais faire un saut à la taverne. Merci. Ce sera rapide. Reposez-vous en attendant. Ok, bon. Faudra amener de la bouffe, c'est ça ? Bientôt les vendanges. Le soleil se couche. Bientôt tout le monde. Papa, je veux quoi ? Je voudrais deux assiettes de ce que vous servez ici. Désolé, mais c'est pas comme si j'en avais assez pour en distribuer à tous les gens qui passent. Et si je paye ? C'est pas pour moi. C'est pour des nouveaux venus. Ah, mes excuses. J'avais pas vu la broche. Tu es donc des nôtres. Dans ce cas, tu peux compter sur mon aide. Il y a du pain et du vin si ça te va. C'est aussi simple que ça. Une broche peut m'ouvrir des portes. Et attends, t'as pas vu ce que tu peux faire avec une épée ? J'obéis toujours aux ordres du patron. Comme nous tous. Et Maître Quentin ne voudrait pas que ses invités meurent de faim à la nef. Alors, tu comptes les faire languir encore longtemps ? Prends le nécessaire et laisse-les manger à leur faim. Ok. Allez. Il y a du pain et du vin sur le comptoir. Du pain et du vin. Les pourvoyeurs vont être contents. Mais j'ai pas amené le vin. Je présume que c'est... Ouais, j'ai pris les deux, en fait. Ok. Ok, allez. On va essayer de faire les quêtes... Le plus de quêtes annexes, évidemment, hein. Tiens, j'ai le ventre qui gargouille. Chaque fois, tu répètes la même chose, toi, monsieur. Tenez, du pain et du vin de la taverne. Yups. Je peux, c'est vrai. Et si je te le dis. Oh, ce bruit de déglutition est absolument dégueulasse. C'est beaucoup trop. J'en ai jamais eu autant. Bon sang, j'ai l'impression de rêver. On s'est assis, sans se faire gronder. On a mangé, et mangé plus encore. Je sais. J'en reviens pas. Maintenant, il va falloir payer. La prochaine fois que vous aurez faim, vous n'aurez qu'à demander, et vous serez nourri. Merci, infiniment. Merci. Quelle quête épique! J'ai donné du pain et du vin à deux SDF. C'est classe. Ça, c'est de la belle quête. Alors... Ah, vous revoilà. J'en ai marre de sentir le poisson. Non, je vais faire mes quêtes annexes. Oh, bon, ça ira plus vite avec un peu de magie. C'est par là, hein. Non, c'est par là, ici. Mmh. Ok. Le patron va me passer un de ses savons. Alors, qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Ah, me faites pas de mal.
Attendez, c'est... Quel jeu d'acteur. Oh, vous m'avez fait peur. Je vous ai pris pour un soldat. Si vous êtes un allié de Messire Quentin, vous pourrez peut-être m'aider. Son vignoble, la fierté absolue de la nef, se retrouve infesté de plusieurs guêpes géantes. Allez. Il faut quelqu'un pour résoudre votre problème. C'est le moins qu'on puisse dire. On les voit rarement si loin de la forêt. Pas si agressives, en tout cas. Elles ont dû être attirées par l'odeur. C'est pas étonnant. Ce sera notre meilleure cuvée si ces monstres ne dévorent pas tous nos fruits. Mais j'arrive pas à les chasser. Et il m'est donc difficile de faire mon travail. Et si le raisin n'est pas bientôt pressé, j'ose pas imaginer dans quel état sera le patron. Vous m'avez l'air de savoir manier l'épée. Vous voudriez pas aider des amis dans le besoin? Pitié. Allez au vignoble et débarrassez-nous de ces bêtes. Bon, c'est comme si c'était fait. Très bien. Je m'occupe de tout. Oh, merci. Vous les trouverez au domaine de Golton, aux portes de la ville. Faites vite. La nef déchue a besoin de ce raisin. Ok. Allez, let's go. Go buter des guêpes. Comme je le dis, c'est pas comme si j'avais le monde à sauver. Allez, le petit épée qui va bien. Pardon. Mais c'est quand même très joli. Chaque fois, je me répète, mais purée que c'est joli. Ça doit être le vignoble. Ces insectes ne devraient pas poser problème. Bah, ça dépend de la taille des insectes. Ça a l'air d'être des... Comme des mouches. Oups. Fire. Et voilà. Réglé. J'en ai fini avec ces monstres. Oups, ouais, les TP. Après les quêtes, franchement, ça j'en avais entendu parler qu'elles n'étaient pas très inspirées. Et il faut reconnaître que jusqu'ici, on peut pas. C'était vraiment des quêtes de MMO. Hein. Bientôt les vendanges. C'est vraiment faire du FedEx ou aller buter à un ennemi ou aller. Trouver un gars, aller aider un gars, machin, etc. etc. Donc, c'est... Ces monstres ne viendront plus perturber vos vendanges. Elles pourraient être un peu mieux écrites, effectivement. Messire Quentin m'aurait trippé si j'avais échoué. Vous avez mérité un cadeau. Les cuvées du vignoble se vendent à très bon prix auprès des riches et des puissants aux quatre coins du monde. Cet argent nous permet de manger à notre faim et nous assure une meilleure indépendance financière. C'est le patron qui a eu cette idée. Il voulait que les pourvoyeurs puissent travailler, tout en étant en lieu sûr. Eh bien, il a pour le moins réussi. Content d'avoir aidé. Je m'assurerai qu'il soit mis au courant. Et quand nous déboucherons nos premières bouteilles, nous lèverons un ou deux verres en votre honneur. Ouais, moi je peux même pas avoir des bouteilles. Honte de radar. Ok. Alors, on avait encore des quêtes à faire, je pense. Hein. Je vais retourner voir. Ok. Ah si, on a encore une quête là-bas à faire. Alors, c'est où que ça se passe? C'est juste ici.
On va faire une petite sauvegarde quand même, parce que ça fait un petit temps qu'on n'a plus sauvegardé. Oui, oui, j'arrive, deux secondes. D'abord, je vais vendre... Voilà, c'était ça. Cool. Vous avez autre chose à vendre ? Merci bien. Ouais, c'est tout. Hein. Repassez à l'occasion. Alors, madame, dis-moi. Je vous ai déjà vu. Vous êtes de chez Martha. À l'aide, par pitié. Que vous arrive-t-il ? Je me suis fait agresser par des bandits. Ils sont armés de grandes épées. Ils vont finir par tuer quelqu'un. J'ai réussi à leur échapper miraculeusement. Mais les autres... Oh, aidez-les, s'il vous plaît. D'accord. Je vais vous débarrasser d'eux. Merci. Où sont-ils allés ? Ils se sont précipités dans la taverne. Ouais, une faille de taverne. J'ai entendu les cris, là. Faites bien attention, d'accord ? Ouais, on va se mettre à la taverne. Oh, cool. Ah, c'est quoi cette taverne paumée ? Y a rien qui vaille la peine d'être volé ici. Hé, hey, c'est que t'as une belle épée, mon gars. Trop lourde, j'imagine. Je propose de t'en débarrasser. Tu la veux ? Eh ben, tu vas l'avoir, y a pas de problème. Courageux, le gars. Il veut se battre. Finissons ça vite fait. Ça suffit. Voilà. Vous allez chercher la mauvaise personne, les gars. Désolé. Je pense que je vais garder mon épée, merci. Le voilà, le héros qui nous a sauvés. Les gens y réfléchiront à deux fois avant de s'en prendre à nous. Je te remercie. Une chance que tu passais par là. Ces sales bandits. Dès que j'ai le dos tourné, ils se croient tout permis, je te jure. C'est juste que j'avais un poids de quête, c'est tout. Des mercenaires pour garder les lieux. Les haches rouges sont là pour surveiller la taverne, oui. Mais ils sont souvent occupés ailleurs, hélas. J'ai du mal à gérer ce genre d'incident. Ah, c'est sûr que des mecs avec des épées... de l'Empire. Pas toujours facile à gérer. Mais est le dernier de leurs soucis. Si les haches rouges et moi n'étions pas là, il n'y aurait personne pour assurer la sécurité des commerces ici. Je vois. Vous avez une tâche des plus difficiles. On te doit une fière chandelle. Tu as mérité une bonne récompense. Tiens. Merci. Et vous aurez droit à un repas spécial la prochaine fois que vous passerez dans le coin. Bon, on a du pain sur la planche avant de pouvoir ouvrir la taverne. On va devoir te laisser, à moins que tu veuilles te joindre à nous. C'est quoi cette proposition bizarre, là ? Voilà notre héros, nettoyeur de la vermine. Ouais, je sais. Alors, bon. Plus de quête, hein, je pense. Non, là, c'est une trompe de bouton. Plus de quête pour le moment. On va quand même aller voir au comptoir des quêtes. Re, Dilvia, re. C'est là-bas, ouais, ok. On va aller voir quand même s'il y a d'autres quêtes qui sont proposées. Cherche quelque chose ? Voilà. Ok, il y a plus de quête pour le moment. Il y a plus de quête pour le moment. D'accord. Du coup, les anciens Zelda, après je pars de leur vie. Ben, c'est comme je disais tout à l'heure. En fait, c'est
C'est pas que les anciens Zelda étaient meilleurs, mais c'est un ressenti. C'est un ressenti, puisque, en fait, moi j'aime bien, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien qu'un jeu soit sur des rails. Et moi j'aime bien être sur des rails quand je fais un jeu. Donc, en fait, je pense que les Zelda, les deux Zelda de la Switch là, qui viennent enfin, qui sont sortis, Breath of the Wild, pardon, et l'autre, et Tears of the Kingdom, ils se sont un peu Elden Ringisé, dans le sens où tu es lâché. Alors, c'est un truc que que d'autres joueurs adorent, mais tu es lâché en plein milieu du bordel et et t'as pas vraiment de but. Je vois ce que tu veux dire. Tu aimes bien avoir un chemin tracé. Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est... voilà, c'est... On peut dire... on peut dire... voilà, on peut dire qu'un jeu est linéaire, etc. Et que c'est chiant. Mais moi, je trouve que la linéarité d'un jeu... Il y a certains jeux, il leur faut de la linéarité. C'est... et ça n'empêche pas que dans cette linéarité-là, tu peux avoir une espèce de... une espèce de liberté, c'est pas un problème, c'est pas un souci, mais c'est pour ça que c'est surtout pour ça que je m'ennuie sur je me suis ennuyé sur Breath of the Wild, parce que j'ai joué 2 heures, ouais, c'était cool, mais j'avais pas trop quoi faire. Je sais bien qu'il y a un endroit où je devais aller, mais par où que ce soit que je prenne, ben je pouvais pas y aller parce qu'il y avait des obstacles ou quoi. Et chercher pendant 3 heures, ça m'emmerde très franchement. Surtout quand ça me dérange pas ça me dérange pas de chercher au bout d'un moment, mais quand j'ai toutes les dynamiques du jeu, c'est-à-dire que quand je comprends tout le jeu et après les Zelda récents, je vais dire, il se place un peu d'une autre manière, c'est-à-dire que c'est à nous d'apprendre. C'est à nous d'apprendre en tant que joueur, en faisant nos expériences, etc. Et c'est aussi pour ça qu'il est aimé. Ben oui, voilà, c'est ça. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Parce que, justement, grâce aux mêmes raisons pour lesquelles moi je n'aime pas. Et c'est les mêmes personnes qui n'aiment pas les jeux linéaires et extrêmement, extrêmement sur des rails, comme je le disais. Parce que justement, ils sont sur des rails. C'est juste, c'est pour ça que je dis que c'est pas que c'est mauvais, c'est que ça me parle pas, c'est que ça me concerne pas, c'est que moi j'arrive pas à adhérer à ce truc. Et encore une fois, je me répète, ça me dérange pas. Si je... Oui, voilà, chacun ses goûts, c'est pas du tout une critique, pas du tout, c'est ce que je dis. Franchement, Zelda, il a révolutionné le jeu d'aventure, il y a aucun doute là-dessus, c'est... Voilà, c'est clair. Mais moi, c'est ce côté-là de Zelda que j'aime pas. Mais après, voilà, par exemple, moi j'adore regarder des gens qui jouent, des gens qui savent y jouer. C'est super jouissif parce que c'est super inventif, il y a plein de choses Tears of the Kingdom, ben c'est vraiment la suite logique en fait de Breath of the Wild, dans le sens où vraiment Tears of the Kingdom, tu t'abordes à une situation, un donjon vraiment comme t'as envie, et tu fais vraiment ton gameplay comme t'as envie en fait. Je suis certain que, enfin voilà, j'ai déjà vu le même donjon fait de deux manières complètement différentes, et ça c'est clairement génial, il faut reconnaître que c'est, il n'y a rien à redire, mais moi c'est le genre de truc qui voilà, j'ai du mal, j'aime bien être sur je suis beaucoup plus terre à terre pour ça. Donc voilà, après... Ouais, c'est ça qui est top, ouais, bien sûr, ouais, clairement. Mais bien sûr, mais c'est ça que je dis, c'est que quand moi je vois des gens y jouer, je prends mon pied vraiment. Et c'est très rare quand je regarde des streams ou des gameplays. Parce que généralement, quand j'ai le temps de regarder un stream, c'est du temps de jeu, donc comme j'ai pas beaucoup de temps de jeu, ben, je le gâche pas.
Mais quand je regarde, c'est super agréable, en fait. C'est vraiment très agréable de voir des gens qui savent jouer. Donc voilà, et c'est ça que je dis, que les anciens Zelda, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est quand même beaucoup plus... voilà, tu dois faire les je sais pas moi, par exemple, tous les sanctuaires ou les trucs avec les éléments, à la limite que tu puisses les faire dans l'ordre que tu veux, ok, tu vois, ok, c'est voilà, mais t'es quand même, tu sais ce que tu dois faire globalement, quoi. Donc c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est ça que j'aime bien dans les anciens Zelda. Et puis même je sais pas, ils ont ils ont tous leur identité graphique. Et ça, c'est un truc assez cool. Et franchement, si je devais en choisir uniquement un de Zelda, ce serait vraiment The Wind Waker. Pardon. The Wind Waker, qui pour moi est de loin le plus beau. Enfin, pas le plus beau, mais le plus... le plus original, en fait. C'est pour ça qu'ils ont vraiment été à contresens de tout ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire la course au graphisme, la course machin. Et je trouve ça génial d'avoir pris vraiment le contre-pied. Et voilà. Peu importe le jeu, de toute façon, toute personne l'abordera à sa façon. Bien sûr. Allez, je vais vous laisser. Bonne fin de live et à bientôt. Merci beaucoup, Dilvea. Je te fais de gros bisous. On se retrouve probablement demain si tu veux. Et éventuellement sur ta chaîne. Hein, donc n'hésitez pas à faire un petit tour chez Dilvea. Il faut que je fasse juste un petit... je vais juste... Voilà. Tac. Et hops. On y a là. Je pense que j'avais déjà fait un petit shout-out sur... sur Dilvea, mais bon, on va refaire ça. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout si vous êtes sur le live, à aller donner de la force à Dilvea, qui fait des super chouettes trucs, qui est une belle personne. Mais ça fait plaisir, mais c'est vrai, très sincèrement, c'est plutôt cool d'être, même si on n'est pas nombreux, on n'est pas toujours très nombreux. Mais je privilégie la qualité à la quantité, et ça fait plaisir. Je préfère vraiment avoir des gens avec qui on échange plutôt que d'avoir des dizaines de personnes avec qui il n'y a aucun affect. C'est quand même beaucoup plus chouette. Allez, sur ce, je te fais de gros bisous, Dilvea, et à la prochaine. Hein, donc voilà. Je repasserai avec plaisir demain. Bonne soirée à toi aussi. Et Niala qui vient de finir un de ses combats, qui ne va pas me spoiler, bien sûr. Hein. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire, si je ne vais pas m'arrêter là, en fait. Parce que j'en ai déjà presque à 3 heures de stream. Bien évidemment. Mais je n'en doute pas. Je me demande si je vais pas arrêter là. Non. Sois gentil, Niala, sois gentil. Parce que on est déjà, comme je le disais, à 3h. Je streamerai, donc je vais en profiter d'aller faire 2 dodo pour streamer demain dans la journée. Et puis éventuellement dans la soirée. Donc je vais un petit peu écouter mon petit corps, parce que ces derniers temps, j'ai vraiment... je me suis vraiment fatigué, et aujourd'hui j'étais vraiment très très fatigué. Tellement fatigué que je me suis endormi pendant la journée. Donc je vais écouter mon petit corps. Il est minuit et demi, je pense qu'il est une belle heure pour s'arrêter là. Et donc voilà, on va faire une petite sauvegarde. On continuera demain, probablement demain matin. Faut écouter sa vieille carcasse de temps en temps. Enfin ! Mais t'as raison, t'as tellement raison. t'as tellement raison.
C'est vrai, je suis vieux. Mais c'est pas grave. Je suis pas vieux, je suis jeune depuis plus longtemps. Mais moi, je peux pas m'arrêter là-dessus. Impossible. D'accord, d'accord. Donc, t'es sur un point. Voilà, un point. Un tease. Voilà, un tease incroyable. Donc, tu estimes que t'es à combien de pourcents, Niala? Plus ou moins, si tu vois l'histoire, est-ce que tu vois une fin proche, lointaine, à la moitié, au quart, au trois quarts, je sais pas. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que qu'on est très loin de la fin. Hein. Donc, on verra bien, en tout cas, on verra bien. Et donc voilà. Allez, moi je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je pense pas être proche là encore. D'accord. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous avoir retrouvé. On se lâche pas. On se voit demain. Au pire, je n'ai le pouvoir que des 4 primordiaux. D'accord. Ça fait pas beaucoup. Donc en comptant Ifrit. Donc Ifrit. Phoenix et Garuda. Donc à mon avis, après Garuda, ce sera probablement Titan. Parce que je pense que ils vont aller... Titan, ou c'est vrai qu'ils vont quand même dans la ville où il y a Bahamut. Hein. Mais je pense pas, je pense qu'ils vont garder Bahamut et Oda pour la toute fin. Je pense que le quatrième primordial, ça doit être Titan. À 5 si tu dis si Phoenix et Ifrit, d'accord. Donc t'en as 2 de plus que moi en fait, d'accord. Donc ok. On verra bien. Donc tout ce que je sais c'est que c'est pas Shiva. Ou alors t'as bien menti Niel. Je veux rien savoir. Allez, je veux rien savoir. Je vais couper là. C'est mieux, c'est plus sage. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se revoit demain probablement dans la... Je te dirai rien, t'as bien raison Niela. Probablement dans la matinée. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et au pire, à demain soir. Salut, ciao.